Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et pour ceux qui y sont encore, profitez-en un maximum. Au menu aujourd'hui, souvenez-vous, j'avais trouvé il y a quelques temps dans un Happy Cash une Squier VN de 1996 fabriquée en Corée. Donc ce que je vais lui faire, je vais lui mettre une plaque à 300 balles en micro Alnico 5, les mêmes types de démons en Alnico 5 qui sont montés sur la Squier d'origine. Et on va voir la différence de son. Donc voici la bête, une Squier VN de 1996 fabriquée en Corée, montée d'origine avec des micros Squier Alnico 5, et je vais y mettre une plaque de micro Fender Alnico 5 aussi, mais une plaque Rory Gallagher de 1961. Réédition des micros 1961. Pour information, le tapis de lutherie, j'ai fait fabriquer des tapis de lutherie logoté MGC. Si vous en voulez un, vous pouvez en commander sur mon Tipeee. Il fait partie des offres en contrepartie et ça m'aide à soutenir la chaîne. Bon bah voilà les amis, le coup prêt tombe, vous allez voir la différence entre une plaque Rory Gallagher à 300 balles montée sur une Squier et une plaque Squier d'origine coréenne de 96. Tous les micros étaient en Alnico 5, que ce soit pour la Rory ou la Squier, et des plots étagés aussi pour les deux plaques, donc clairement on est sur la même configuration. On sent bien qu'il y a moins de puissance mais pas mal de dynamique sur les micros Rory Gallagher qui sont un peu plus précis dans les basses, j'ai trouvé dans les hauts médiums, mais sinon, bah, 300 balles quoi. 300 balles pour une différence de son qui est quand même pas incroyable. Est-ce que c'est les micros Squier qui étaient incroyables à l'époque ou est-ce que c'est les micros Rory Gallagher qui sont finalement pas si ouf que ça? Pourtant c'est de la super bonne électronique. Tout ça pour vous dire que ok, vous allez peut-être entendre une différence de son, mais si vous jouez sur scène, vous emmerdez pas à acheter des micros à 300 balles. On voit bien là, c'est exactement les mêmes réglages. Alors dites-moi en commentaire si vous sentez une différence. Moi, voilà, le sentiment que j'ai eu, c'est qu'au niveau de l'expressivité du micro, je trouve que les Rory sont un poil plus définis, mais c'est vraiment en tendant l'oreille, quoi. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Comme je l'ai dit dans la vidéo, sur mon Tipeee, il y a des contreparties à gagner et je viens de faire des tapis de luthier
Je vous mets le lien Tipeee ici et vous l'avez dans la description. Et vous pouvez soutenir la chaîne en achetant soit des plectres Ricky le Plectrier MGC ou des tapis de lutherie, des tapis pour entretenir vos guitares avec le beau logo MGC dessus, tapis qui sont à mémoire de forme, bref, ils sont top. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et comme à mon habitude, ciao les gars, bisous les filles.